Alors, bonjour à tous. On va tranquillement reprendre donc cet après-midi de conférence Mystère en Terre de Rédé avec cette fois-ci Gino Sandri qui va donc nous parler de l'écriture de Lord de Rennes de Gérard de Sède, ouvrage absolument fondamental et mystérieux à plus d'un titre. Donc, je vais passer le flambeau à Gino Sandri. Merci. Alors, je vais parler de Gérard de Sède, oui, de la jeunesse de Lord de Rennes. Je crois que bien des détails en sont connus. Je ne vais pas faire une biographie de Gérard de Sède. On peut trouver certains éléments biographiques à disposition, mais toutefois, il me paraît nécessaire de repréciser certains points quant à ses débuts, ses années de formation. Et je le fais avec d'autant plus on va dire, de plaisir que j'ai un peu connu Gérard et que c'est un personnage qui avait ses idées, qui avait du caractère, mais c'est un personnage pour lequel j'ai conservé en souvenir une grande sympathie et un grand respect. Alors je l'ai connu bien sûr bien après la publication de Lord de Rennes. Donc je ne vais pas m'étendre sur sa biographie. Toutefois, je rappelle qu'il est né en 1921. Alors, le détail a son importance. Il a 20 ans en 1941, il a 17 ans en 1938. Or, à l'époque, on démarrait jeune. Peut-être que c'était la période qui voulait ça. Gérard de Sède, originaire de la région d'Occitanie, c'est quand même un détail important, fait partie de ces gens qui sont allés à Paris, montés à Paris, comme on disait à l'époque. Il a fait ses études à Paris, il a fait des études supérieures de lettres et de philosophie. Il a fréquenté très vite les milieux artistiques et littéraires du quartier latin. Et simultanément, il a un engagement politique. Alors j'ai lu des choses sur le sujet, j'ai entendu des choses sur le sujet. Personnellement, moi, je précise que je donne mon point de vue personnel, ma vision personnelle de Gérard de Sède et de sa vie, mais j'aimerais quand même apporter un certain nombre d'éléments, de points de repère là-dessus, parce que j'ai quand même entendu et lu beaucoup de choses qui me paraissent déplacées ou décalées. Donc, je disais 1938, il a 17 ans, et il se passe un événement. À l'époque, il y a la guerre d'Espagne. C'est l'époque aussi où l'Italie de Mussolini envahit l'Éthiopie. Et Gérard de Sède, à 17 ans, entre en politique. C'est un baron, je le précise, et d'ailleurs, je dirais de façon très humoristique, dans des groupes que j'évoquerai, ses détracteurs l'appelaient souvent le baron, lorsqu'ils avaient quelques problèmes avec lui. Et rappelaient comment, ce titre de façon condescendante. Donc, Gérard entre en politique. Et il entre en politique, c'est un intellectuel. Il a très vite l'habitude du débat. Et il est passionné par l'analyse marxiste. Et il entre en politique, pas n'importe où, dans un des partis dits trotskistes de l'époque. C'était le POI, le Parti ouvrier internationaliste. Et c'était parce que très vite, on en a souvent parlé, les mouvements trotskistes éclatent en une multitude de chapelles, avec leur habitude d'une semi-clandestinité, presque d'une sorte de manie du complot et du renseignement. Et il est certain que le POI à l'époque est certainement la fraction la plus fermée de ces mouvements trotskistes. Et pour situer le contexte, ce n'est pas une sorte de ghetto, puisque depuis 1935 environ, la stratégie a été définie et cette frange du trotskisme fait ce qu'on appelle de l'entrisme, mais de l'entrisme ouvert, le fait au sein de la SFIO, du Parti socialiste, qui est un des plus grands partis politiques à l'époque, le fait aussi au sein d'autres partis, mais le fait de façon quasiment ouverte. Et donc, cette frange est très remuante. Et simultanément, peut-être y a-t-il une relation, c'est pas impossible,
Gérard de Sède, qui est proche de l'avant-garde littéraire et artistique, fréquente de près les milieux surréalistes du Quartier Latin. Et il est certain qu'il n'y avait pas incompatibilité. Puisque, au début du surréalisme, le premier manifeste du surréalisme est de 1920, rédigé par André Breton, on voit très bien que c'est un texte qui repose entre autres sur une analyse marxiste. Et à l'époque, Breton, comme tant d'autres, est proche du Parti communiste qui naît à Tours. Ça paraît très étonnant, mais à l'époque, le Parti communiste, en 1920, accueille tout ce qui est pacifiste après la guerre de 14, tout ce qui est anarchiste, anarcho-syndicaliste, intellectuel. Il y aura même quelqu'un comme Jolivet Castelot, qui est connu dans le monde de l'alchimie, ou plus exactement de l'hyperchimie, qui est tout à fait officiellement adhérent du Parti communiste. Et il y a les premiers surréalistes. Tout ça ne durera pas très longtemps parce que le Parti communiste français va subir un certain nombre de restructurations et tous ces gens-là quittent ou on les pousse à la porte. Et un certain nombre d'entre eux, et d'ailleurs ça sera le cas d'André Breton, seront proches de certains, toujours marxistes, de certains mouvements trotskistes. Donc, le cheminement de Gérard, d'une certaine manière, peut s'expliquer. Alors, c'est quelqu'un qui sait de quoi il parle. C'est quelqu'un qui est intelligent, qui est cultivé, et qui a, j'y reviendrai, le don de la parole, le don de la pédagogie, c'est quelqu'un de didactique. Il sait rendre attrayantes les choses les plus rébarbatives. Dès cette époque, ce sont les témoignages que nous avons qui en attestent. Et à Paris, au Quartier Latin, à l'époque, le Quartier Latin bouillonnait, et notamment les lycéens, c'était les deux grands lycées de Louis le Grand et d'Henri IV, se retrouvaient fréquemment. Et Gérard de Sède va fréquenter de près un groupe surréaliste qui sera dénommé les Réverbères. Ce groupe a été fondé par plusieurs personnes, dont un artiste peintre qui était Michel Tapier de Céléran. Et qui se veut surréaliste. Alors il faut aussi préciser une chose, c'est qu'André Breton, le grand patron du surréalisme, menait le groupe surréaliste, les groupes surréalistes, d'une main de fer. On va dire même d'une façon excessive, autocratique, et ça n'allait pas sans problème, sans drame, sans exclusion. C'est le côté peut-être peu sympathique d'André Breton, qu'il gardera jusqu'au bout. On courait le risque d'être exclu du groupe, de la chapelle. C'était un grand honneur d'y aller. J'ai eu des témoignages tardifs. Ça a suscité énormément d'attrait, de passion dans une certaine frange de la jeunesse. On voulait y aller. C'était certainement un grand honneur de pouvoir approcher les cercles surréalistes. Mais il y avait le risque d'en être, pardonnez-moi, viré du jour au lendemain, au cours de quelque chose qui ressemblait à un procès public. Et ça, je le dis personnellement, ce sont les aspects probablement les moins sympathiques d'André Breton. On était viré tout simplement parce qu'on était proche des flics ou des curés. Hein. C'était l'argumentaire de l'époque. C'était mené de façon autocratique. Ce système perdure, sauf qu'André Breton, à l'époque, part pour les États-Unis à New York. Et donc, les milieux surréalistes de Paris fonctionnent sans André Breton. Et le groupe des Réverbères va fonctionner de façon plus ou moins autonome, mais dans le droit fil de la doxa surréaliste, parce que quoi qu'on en dise, il y en avait une à l'époque. Et Gérard de Sède, à l'âge de 17-18 ans, devient un des principaux piliers de ces cercles. Alors, le groupe des Réverbères, j'en dis deux mots, il avait ceci de particulier. Alors, il montait des soirées poésie, des soirées théâtrales, des pièces dadaïstes. Ça se faisait au Quartier Latin pendant quelques temps, dans la rue Champollion, ils avaient trouvé une salle. Et aussi, il faisait de la musique, du jazz, car dedans, il y avait un passionné de jazz. Et ça, c'était une entorse à la doctrine de Breton, puisque Breton, qui voulait réorganiser l'art, qui voulait le redynamiser,
excluait totalement la musique. La musique n'avait pas le droit de citer dans le surréalisme. Et là, c'est l'originalité de ce mouvement des réverbères. En parallèle, d'autres cercles vont se créer au sein ou en dehors des réverbères. En 1938, à cette époque-là, alors que Gérard de Sède quitte le lycée et entame ses études supérieures, pour différentes raisons, il part à Toulouse, qui ne lui est pas inconnue, s'installe à Toulouse et, selon la coutume de l'époque, s'inscrit à la faculté de droit de Toulouse. Mais il monte un petit groupe d'analyse marxiste qui se réunissait dans un café de la place du Capitole. Et Gérard de Sède faisait la formation d'un certain nombre de gens. Et là, d'ailleurs, c'est très curieux, parce qu'il fait donc des conférences sur le marxisme, et il va y croiser de jeunes gens, qui se font un nom beaucoup plus tard, par exemple René Barjonnet, qui deviendra le responsable du secteur économie de la CGT, c'était l'économiste de la CGT, et il y aura également Roger Garaudy, qui sera une figure du Parti communiste, mais qui va virer au mysticisme, et notamment à l'islam. Mais Garaudy sera un des intellectuels du Parti communiste jusque dans les années 60-70. Il y avait aussi un ecclésiastique, un vicaire général, que je ne nommerai pas, qui deviendra cardinal. Il y avait un horloger et il y avait des étudiants. Alors ce groupe fonctionne, et comme on est organisé, il y a une jeune fille qui est chargée d'enregistrer ce qui se dit et de le dactylographier. Sauf que ce groupe, alors que Gérard de Sède normalement commence à se former à la semi-clandestinité, la jeune fille en question transmet les papiers à la police. Gérard de Sède est arrêté pour atteinte au moral de l'armée. Il se retrouve en prison à Toulouse pendant 2 mois après son passage au commissariat. Et là, il y a un épisode assez amusant en prison. Il y a un gardien qui s'appelle Barusso, qui vient le voir régulièrement parce que, comme je l'ai dit, Gérard de Sède est un conteur né. Et le dénommé Barusso en parlera souvent. D'ailleurs, il viendra fréquenter certains cercles avec Gérard de Sède, qui l'avait entraîné dans ses aventures. Et on a ce témoignage que Gérard de Sède, dès cette époque, savait raconter des histoires, savait rendre attrayant ce qui pouvait être difficile d'accès, y compris dans ses matières. Sortant de prison au bout de 2 mois, il revient à Paris. Et là, les choses se gâtent. L'époque est ce qu'elle est. Et il reprend ses études de lettres et de philosophie, et il rejoint ses amis des cercles surréalistes. Et là, je vais mentionner un épisode qui est très important dans l'histoire du mouvement surréaliste, c'est l'épisode de la main à plume. En fait, une partie des gens des réverbères, mais pas tous, et d'autres surréalistes, Breton étant bloqué à New York, voulant rester à New York, on peut dire qu'il cherche à maintenir la flamme, c'est-à-dire de faire fonctionner le groupe surréaliste, si tant est qu'on puisse dire qu'il y ait le groupe surréaliste. Et ils vont créer une sorte de revue qui n'en est pas une, parce que les temps sont difficiles. Cette revue va s'appeler La Main à Plume. Alors officiellement, ce n'est pas une revue, ce serait une maison d'édition, mais qui n'est pas déclarée, qui s'appelle La Main à Plume, parce que les cahiers sortent, ce sont des petits cahiers. Elle ne s'intitulera jamais revue, il n'y aura pas d'identification légale, mais ce recueil de poèmes sort et très souvent les articles ou les poèmes ne sont pas signés. Donc c'est une revue tout à fait dans la lignée du surréalisme. Et pourquoi La Main à Plume ? C'est en fait, c'est Gérard de Sède, le jeune Gérard de Sède, qui en a choisi l'intitulé. Il a emprunté à un des recueils de poèmes d'Arthur Rimbaud. La main à plume vaut la main à charrue. Alors, Gérard de Sède est un intellectuel. Il écrit beaucoup. Il est reconnu, mais c'est aussi un militant. Alors, se place à cette époque un épisode. Il y a un enjeu autour de la Fédération des auberges de jeunesse. Et quelqu'un qui s'appelle Marc Augier, qui s'illustrera plus tard dans certaines mouvances, y compris dans certains ouvrages concernant Montségur, décide
pour le compte de certaines franges, de mettre la main sur la Fédération des auberges de jeunesse. Et Gérard de Sède va prêter main forte à un de ses amis, qui est également militant au POI, pour prendre littéralement manu militari la Fédération des auberges de jeunesse. Ça ne se passera pas sans heurts, mais ils y réussissent. Dans la main à plume, il y a un certain nombre de gens. Je parlerai par exemple de Léo Mallet. Léo Mallet va bientôt écrire son premier livre policier, sa première bande dessinée aussi. Il s'opposera souvent à Gérard de Sède, mais ils resteront tous les deux dans le groupe. Ce qu'il y a de caractéristique aussi, c'est Gérard de Sède, c'est qu'il fait fonctionner le groupe La Main à Plume. Il n'est pas tout seul, mais il en prend rapidement la main. Il le fait fonctionner selon les méthodes de la dialectique marxiste et trotskiste. Il y a les circonstances, l'occupation, Paris, Paul Éluard, qui est au Parti communiste, veut se rapprocher de La Main à Plume. Un certain nombre de membres du groupe sont, bien sûr, poussent sa venue. Au nom de l'analyse de la dialectique en cours, Gérard de Sède s'opposera formellement, par tous les moyens, à l'entrée de Paul Éluard dans le groupe. Ce qui créera pas mal de problèmes. Alors, il est dans une sorte de semi-clandestinité. On peut dire qu'il a deux faces, deux mains. Il est dans une activité presque semi-publique de publication, d'animation, puisqu'il y a des réunions théâtrales. Et puis, il a une activité militante, clandestine, à Paris et ailleurs. Très vite, d'ailleurs, il se spécialise dans les faux papiers. Très vite, il réunit du monde. Et il va rencontrer dans son action militante une jeune fille qui deviendra son épouse, Sophie. Et c'est par l'intermédiaire d'un ancien professeur de Sophie que Gérard de Sède et ses groupes rencontreront Jean Moulin, établiront le contact avec Jean Moulin pour avoir la logistique nécessaire. Ça se passera du côté de Montluçon. Alors, je passe sur les détails. L'activité clandestine de Gérard de Sède est assez étonnante, y compris des attaques à main armée, y compris les vols de voitures, de transformation de voitures, y compris en 1944 une réunion clandestine internationale du côté de Beauvais pour faire la réunification des mouvements trotskistes. Ça ne s'invente pas. Gérard de Sède était organisateur de cette manifestation. Il avait un peu plus de 20 ans. Comme on le voit, c'est un personnage, ce n'est pas étonnant, c'est caractéristique d'une époque. Et il avait les qualités nécessaires. Après différentes péripéties, à la Libération, il est journaliste, il sera notamment journaliste à l'AFP avec d'autres de son, on va dire, de son parti. C'est ainsi qu'il entre à l'AFP. Et on le retrouve militant dans ces années 49-50. Il est au PSU qui se crée. Et en fait, il est bien sûr là. Il fait de l'entrisme pour le compte du POI au sein du PSU. Et il rencontrera des personnages qui se font un nom dans la politique, comme Claude Bourdet et autres. Ils vont militer de concert. Et à cette époque, apparaît le problème de la Yougoslavie. Donc la Yougoslavie du maréchal Tito. Le maréchal Tito a un passé militant, j'y reviendrai, et il décide de ne pas intégrer le Comecon et tout le dispositif de l'URSS de Staline. Et comme Tito avait un passé, ce n'était pas n'importe qui, il savait très bien qu'il risquait sa peau, qu'il y avait des précédents, et que par un moyen ou un autre, tout président de la République de Yougoslavie qu'il était, il se mettait en ligne des mires. Donc, il a négocié, se tournant. Certains d'entre vous ont peut-être de vagues souvenirs, n'est-ce pas, de la presse de l'époque, où on parlait de la Yougoslavie de Tito, qui avait une voix originale. On parlait même de la naissance de l'autogestion là-bas, donc il y avait un pied dans chaque camp. Or, en France, il va y avoir un courant pour soutenir Tito contre Moscou.
Et bien sûr, dans ce courant, dans ces courants, il y aura les trotskistes de l'ex-POI, puisque dès qu'il s'agissait de damer le pion stalinien, comme selon l'expression consacrée, les trotskistes du POI étaient là. Et donc Gérard de Sède est en mission pour le POI. Il fait partie des deux personnes, je crois qu'il y aura Claude Bourdet aussi, qui vont rencontrer Tito à Belgrade et qui vont fournir une logistique à Tito de la part de certaines structures. Et là, Gérard de Sède se met en avant et il va y laisser quelques plumes, pour parler de façon triviale. Ironie du sort, je fais une parenthèse, Gérard de Sède avait connu Tito, c'était en 1938, puisque Tito était à Paris, je ne sais pas s'il s'appelait déjà Tito, puisque c'était son nom de guerre, et c'était lui qui s'occupait du recrutement à Paris pour les brigades internationales de la guerre d'Espagne. Et Gérard de Sède, à 17 ans, va poser sa candidature aux brigades internationales pour aller combattre en Espagne. Et là, selon l'histoire, qui semble réelle, Gérard de Sède la rapporte dans son autobiographie politique, Tito lui aurait dit « Écoutez, vous repasserez quand vous aurez du poil au menton. On n'a pas besoin de gens au biberon pour aller en Espagne. » Donc ça, Gérard s'était fait conduire de façon assez brutale. Et suite, j'en reviens en 1950, l'été 1950, il y avait un hebdomadaire France Nouvelle, qui était l'hebdomadaire du Parti communiste, qui s'en prend, je cite, « au ramassis d'espions, de policiers et de provocateurs qui grenouillent dans les officines trotskistes et titistes ». Et cet article vise, je cite, « les dirigeants de la bande titiste trotskiste en France ». Et il y a des noms, Louis Dalmas et Gérard de Sède, qui, dans France Nouvelle, devient un agent de la DGER, c'est-à-dire, à l'époque, la DGER, c'est le service de renseignement français. Donc, on voit que Gérard de Sède, au mois de juillet, est habillé pour l'hiver. Alors, je le dis plaisamment, mais ça va avoir des conséquences. Gérard de Sède est journaliste, il a une carte de presse, et on saisit le premier motif venu, une cabale est montée contre lui pour le mettre sur liste noire. À l'époque, le Parti communiste avait parfois des relais. Il continuera malgré tout une partie de sa carrière de journaliste, tant bien que mal. Mais il a un passage à vide, et notamment le nœud est l'année 1956, où il n'a plus d'emploi. En 1956, selon ses propres dires, il se retire dans l'agriculture. Alors, on a dit beaucoup de choses. La version exacte, elle reste à établir. Je dirais qu'il n'est pas question de frapper un homme à terre. En 1956, il se retire dans l'agriculture et là, il va avoir l'occasion de côtoyer un personnage qui s'appelle Roger Lemoy, puisqu'il est en Normandie. Et Roger Lemoy, lui aussi, est reconverti dans l'agriculture. Il avait été le gardien du château de Gisors. Et là commence une autre histoire, mais que je vais reprendre. Mais à partir de là, dans des circonstances que je vais évoquer, à quelque chose malheur et bon, l'affaire de Gisors permettra à Gérard de Sède de revenir dans la profession, de retrouver sa carte de presse, de devenir aussi un auteur à succès. Je m'y étendrai. Et là, il poursuivra une carrière de journaliste pigiste. On le retrouve dans différentes sphères, et notamment jusqu'à ces dernières années, hein, c'est-à-dire les années 1990. Il collaborait au Canard enchaîné. Il a fait beaucoup de choses au Canard enchaîné, notamment il rebraillait, comme on dit, un certain nombre d'articles de plumes bien connues du Canard, comme Georges Marion. C'était Gérard de Sède qui refaisait ces articles. Et Gérard de Sède, si vous en avez l'occasion, vous le verrez, écrivait régulièrement dans les dossiers du Canard. À partir de là, j'en reviens à l'affaire de Roger Lemoy. Donc, l'histoire est à peu près exacte. Gérard de Sède est dans l'agriculture et Roger Lemoy lui raconte ses histoires. Il sympathise. Gérard s'aperçoit que Roger Lemoy est un personnage assez étonnant et
petit à petit, le moi va lui raconter son histoire à sa manière, c'est-à-dire comment il creuse dans le château de Gisors, sous la motte, comment il accède dans une salle qu'il décrit par le menu, une sorte de grande chapelle, avec les statues, les 30 coffres. C'est une belle histoire. Et là, Gérard de Sède, qui a des amis dans la profession, des relais, qui lui permettaient, qui lui maintenaient certaines ouvertures, va rédiger un article. Cet article, en fait, passera par l'Agence centrale de presse, si mes souvenirs sont exacts, et il sera publié par Ici Paris et d'autres magazines. L'article sera publié avec un dessin noir et blanc stylisé de la fameuse salle, la fameuse chapelle aux 30 coffres. Remarque personnelle, j'étais vraiment en culotte courte. J'ai lu cet article. Je m'en souviens très bien. J'ai toujours l'image du journal avec le dessin de la chapelle. Je l'ai lu et relu. Puis un jour, le journal, bien évidemment, a disparu de la maison. Mais j'y pensais régulièrement, je regrettais de ne pas avoir gardé le journal. Bien des années plus tard, je vais lire « Les Templiers sont parmi nous » et je vais retrouver l'histoire qui m'avait tant marqué du gardien et de la chapelle aux 30 coffres. Alors, l'article est publié. Et il faut bien dire, l'article marche très bien. On dirait maintenant qu'il fait le buzz. Il est repris et ça va susciter du courrier. Donc, quand il y a du courrier dans un journal, c'est bon signe. Le rédacteur en chef est content, le patron est content. Et Gérard de Sède est un conteur né, il a une excellente plume. Et il va se passer un événement capital. Des lettres arrivent et Gérard de Sède va recevoir une lettre. Cette lettre est signée Pierre Plantard. Donc je vous la lis. Votre article traitant du cas de M. Roger Lemoyne est un reportage sensationnel sans doute, mais on ne peut que déplorer la publicité faite dans la presse à ce sujet. Voici déjà quelques années, grâce à une personne chargée de mission par le Vatican, j'avais entendu parler du cas de M. Lemoyne, et c'est pourquoi je doute qu'une initiative faite à un titre individuel ou commercial puisse avoir des chances d'aboutir. Je crains qu'elle risque beaucoup de n'obtenir aucun résultat. Gisors, ainsi que 3 autres lieux, est connu des hauts initiés pour être un ancien sanctuaire de l'ordre du Temple. Or, le secret du Temple n'est pas perdu. Il est caché aux profanes. Jusqu'à plus ample information, je ne crois pas que M. Lemoyne avait reçu mission d'effectuer des recherches. Les initiés vous diront qu'il n'est pas besoin de fouilles pour découvrir l'entrée du sanctuaire. Tout dans le temple est orienté, même dans les plus bas étages de la maçonnerie. Il existe donc un plan initiatique et symbolique, fil conducteur de l'arche, c'est écrit avec une majuscule, où repose le fameux trésor. Quant au plan publié, il est connu. Un plan similaire se trouvait dans les archives secrètes de Notre-Dame de Paris. Son éminence, le cardinal Verdier, avait en 1938 fait faire des recherches à ce sujet. La guerre est venue et nul n'a connu les résultats, et surtout retrouvé le plan. Je serai heureux de faire votre connaissance avec mes sentiments dévoués. Tout part de cette lettre. Et effectivement, Gérard de Sède va faire connaissance de Pierre Plantard. Et de là va débuter ce qu'on peut appeler une collaboration. Là aussi, les circonstances exactes, elles restent à définir, elles restent à écrire. Mais il est peut-être trop tôt pour le faire. Il y a beaucoup de passion encore non éteinte, beaucoup de susceptibilité. Et puis, il faut bien le dire, dans toute cette histoire, y compris celle de l'ordre de Rennes, il faut envisager, et je le dis de façon, ce n'est pas péjoratif, il faut aussi les envisager sous l'angle de la manipulation et de l'intoxication. Ces mots sont à prendre au sens fort du terme. C'est un vocabulaire qui est en usage dans certaines sphères.
Alors, je passe sur les détails. Gérard de Sède va être entraîné avec Pierre Plantard dans une sorte d'enquête et Pierre Plantard pousse des pions, oriente Gérard de Sède. Et parlant de Roger Lemoy, Pierre Plantard avait une formule. Ah oui, Lemoy, je l'ai dans l'œil. J'avais compris très vite que Pierre Plantard connaissait très bien Roger Lemoy et même Gérard de Sède me l'avait dit. Il avait été fort étonné du fait qu'en accompagnant Roger Lemoy sur un certain lieu et en présence de Pierre Plantard, Roger Lemoy se troublait. Et ce n'était plus le même homme. L'histoire de Gisors est très complexe. C'est un imbroglio extraordinaire qui a été créé à loisir pour différentes raisons. Et effectivement, il y a un lien avec l'affaire de Notre-Dame de Paris. On sait, et je me souviens aussi pour avoir fait parler Roger Lemoy, que Roger Lemoy s'était intéressé à cette histoire très tôt, autant que je sache. L'histoire est simple, Roger Lemoy était un personnage un paysan du Vexin normand, ce qui n'est pas péjoratif, et comme beaucoup, il avait la vocation, il avait envie d'entrer dans les ordres. C'était aussi un prestigieux, hein, c'était un moyen de promotion. C'est un moyen de faire des études secondaires et supérieures d'une certaine manière, puisque le grand séminaire était l'équivalent d'études supérieures à l'époque. Et puis d'avoir un poste, un certain prestige, peut-être d'autres possibilités. Et il se passe un événement que j'ai connu ailleurs dans d'autres lieux, que fait Roger Lemoy, il va rencontrer le curé de Gisors. Et je trouve que le curé de Gisors avait besoin d'un sacristain. Donc le curé de Gisors lui dit, mon fils, c'est très bien, mais vous savez, il ne faut pas s'engager là à la légère. Donc en attendant, vous allez faire le sacristain ici, comme ça vous pourrez voir si votre vocation s'affirmit. Et là, ce que laissait entendre Lemoy très souvent, c'est qu'il avait surpris des conciliabules, que dans l'église de Gisors, autour de la cure de Gisors, il y avait des rendez-vous, il y avait des messieurs, les prêtres qui venaient de Paris. Il a fait allusion aussi à un certain nombre de choses, et Gérard de Sède en avait retrouvé certains. Il avait retrouvé notamment un personnage avec lequel il est resté en rapport avec lui jusqu'en 1968, c'était l'abbé Maurice Petit, qui était vicaire ou même curé, je crois, à Sceaux, dans la banlieue parisienne. Ça me fait sourire parce que mes pérégrinations parisiennes, lorsque j'ai quitté ma province, m'ont amené à Sceaux, que je connais très bien. Et donc, Gérard de Sède m'avait confié qu'il allait régulièrement à Sceaux voir l'abbé Petit pour s'entretenir avec lui des affaires de Gisors, notamment avant la guerre, en 1938. Donc, je donne ces éléments. Je ne peux pas m'apesantir là-dessus, mais vous voyez que l'histoire de Gisors reste à écrire, et notamment l'histoire de l'histoire. Parce que quel que soit le sens profond, c'est-à-dire les Templiers ou pas les Templiers, il y a l'histoire telle qu'elle s'est passée entre 1930 et 1962. C'est une histoire qui mérite d'être écrite. Donc, vous connaissez la suite. D'ailleurs, il y aura des rendez-vous à Gisors avec le chanoine Adeline, qui était curé de Gisors et qui était un grand ami de Pierre Plantard. Le chanoine Adeline, il y a des échanges de correspondances, met à disposition de ces messieurs toute facilité, et notamment pour aller dans les caves. Et puis, il y avait une maison qui était aussi utilisée à côté. Cette maison appartenait à un personnage qui était le directeur de la maison Dior. Ce qui nous ramène parfois d'une manière indirecte à Jean Cocteau. Et ce personnage connaissait bien Pierre Plantard. Donc, il y a eu des... Pierre Plantard avait cette façon de faire, d'envoyer ces gens-là, que ce soit Gérard de Sède et Philippe de Cherizet. Philippe de Cherizet en concevait souvent un grand ressentiment en disant « Mais Plantard passait son temps à nous envoyer sur des pistes pendant que lui traitait de certaines choses. » Donc, pour ce qui nous occupe, il y aura des fouilles faites à Gisors, notamment au 22 rue de Vienne, chez M. Rouet, et qui était en lien également avec le chanoine Adeline, M. Rouet étant le directeur de la maison Dior.
À l'époque, Pierre Plantard était logé au 35 avenue Victor Hugo à Paris, chez le comte de Bueil, dont on parle dans l'affaire de Gisors. Et à l'époque, c'est très curieux aussi, j'ai parlé de l'abbé Maurice Petit, à Sceaux, qui habitait Sceaux. À l'époque, il venait à Gisors, il était vicaire à l'église de la Trinité à Paris. Or, l'église de la Trinité à Paris, c'était la paroisse de Philippe de Cherizet et, on va dire, assez proche celle de Pierre Plantard. Donc, c'est comme dans un film ou comme dans un roman, finalement, tous ces personnages, hein, très tôt, ont des liens entre eux, des liens qui restent à définir. Après l'article, que se passe-t-il? En fait, Gérard de Sède, tout en cherchant, reçoit un dossier. Pierre Plantard lui remet un dossier. Ce dossier, je le connais. Et il y aurait eu cette phrase, Gérard de Sède ne me l'a pas dit, c'est un autre témoignage. Gérard de Sède aurait dit, mais avec ça, il y a de quoi faire deux livres. Donc, un livre va sortir, les Templiers sont parmi nous. Je passe sur les détails, la publication d'une sorte de tiré à part, Gisors et son secret, qui est multigraphié, que je vous encourage à lire d'ailleurs, car c'est une version un peu différente de l'entretien avec un hermétiste qui figure à la fin du livre de Gérard de Sède. L'entretien avec un hermétiste inconnu, c'est Pierre Plantard. Son nom apparaît, documentation et plan Pierre Plantard. Alors, les choses seront dévoilées bien plus tard, en 1978. Dans ce livre à succès, mais qui fait de Gérard de Sède un auteur reconnu, à l'époque, il passe à Lecture pour tous à la télévision, l'émission littéraire de la télévision. Il passe à Lecture pour tous avec Roger Lemoy. J'ai oublié le tirage des Templiers sont parmi nous, mais c'est un tirage pour l'époque qui est considérable, et d'ailleurs qui sera supérieur à celui de Lord de Rennes. Gérard de Sède, cette fois, est remis à flot. Et il avait bien dit, avec ça, il y a de quoi faire deux livres. Bien, le deuxième livre, ça sera Lord de Rennes. Je passe sur certains détails, mais Gérard de Sède, dans les années 76, rééditera ses deux livres avec des variantes. Et dans Les Templiers sont parmi nous, il ajoute un certain nombre de choses. Alors, il ne donne pas de nom, mais on peut deviner Plantard. Et aussi, il cite les mémoires d'André Astou. Donc, André Astou était le président du Centre national de cinématographistes, un gaulliste de la France libre. Il avait été officier de marine et il faisait partie des gaullistes qu'on casait notamment à l'ORTF de l'époque, au Centre national de cinématographie. Et il écrit ses mémoires. Il parle de l'année 47. Le parti gaulliste, à l'époque, a des difficultés, notamment des difficultés financières. Il dit, parmi les lettres que nous recevons au RPF, il y a une lettre du gardien du château de Gisors. C'est donc Roger Lemoy, qui écrit au RPF, au général de Gaulle probablement, en disant, voilà, pendant la guerre, je fais visiter le château de Gisors. Il y a un groupe, ce sont des Allemands qui viennent faire un peu de tourisme. Et il y en a un qui sort, je crois, si mes souvenirs sont exacts, un pendule, qui dit, regardez, ils sont sur le chemin de Ronde. Là-dessous, monsieur, il y a un énorme trésor. Il dit, c'est l'énorme trésor des Templiers. Et vous voyez, le processus qu'emploie Roger Lemoy. Il écrit cette lettre en 47. Et André Astou traite ça de façon humoristique, mais enfin il dit, trésor des Templiers ou pas, nos finances avaient grand besoin d'être remontées. À tout hasard, j'ai transmis la lettre au secrétariat du général de Gaulle, c'est-à-dire André Malraux. On parlera d'André Malraux plus tard. On peut dire qu'en 1947, André Malraux avait déjà au moins connaissance d'une petite affaire au château de Gisors par son gardien. Donc, vous voyez qu'il y a des suites et qu'il reste à faire l'histoire de cette époque, qui, quoi qu'on en dise, n'est pas connue.
Alors, l'or de Rennes, c'est la même chose. La jeunesse de l'or de Rennes, j'en dirai quelques mots. Là encore, je ne vais pas m'attarder sur certains détails. Je l'ai dit, il y a des passions que je ne comprends pas, ou que plutôt je peux comprendre. Il y a de la mauvaise foi. On cède à la tentation de réécrire l'histoire. Bon, il y a un certain nombre de choses. Il y a une genèse qui est fort complexe, fort embrouillée, parce que comme vous l'avez deviné, pour les Templiers sont parmi nous, comme pour l'or de Rennes, plutôt que d'histoire ancienne, tout cela donne l'impression d'une partie d'échec qui se joue et que ces publications font partie d'une stratégie propre à cette époque. Donc il y a une histoire qui se déroule et cette histoire, il est difficile de l'appréhender parce que ça se passe en grande partie dans des coulisses. Et quelque part, vous pourrez peut-être dire d'une autre manière qu'on instrumentalise des lieux ou des affaires au service d'une stratégie. On peut aussi le voir sous cet angle. La réalité est quand même assez complexe. Alors, pour l'or de Rennes, il va se passer ce qui s'est passé pour les Templiers sont parmi nous. En 1978, on en connaît le fin mot. Gérard de Sède, auteur à succès, qui est bien connu, en fait, touche 35% des droits d'auteur de son livre et de ses livres. 65% reviennent à son documentaliste qui est Pierre Plantard, ou son co-auteur. Pourquoi l'histoire a-t-elle été déballée à un certain moment? Là aussi, ça fait partie de certains éléments. Je pourrais en dire deux mots. En fait, à partir du dossier, Gérard de Sède va rédiger un livre avec grand talent. Et là, je le précise, et encore une fois, j'ai beaucoup de respect, de sympathie pour Gérard. Mais on a l'impression, en le voyant, l'écoutant, qu'on a affaire à l'homme d'action, au journaliste d'investigation. Or, Gérard de Sède, c'est quelqu'un qui écrit à sa table, dans son salon, mais avec un métier, un talent extraordinaire. Donc, il rédige l'Or de Rennes, et je précise que lorsqu'il rédige l'Or de Rennes, il n'est jamais venu à Rennes-le-Château, ici. Ce qui peut expliquer, quand on s'attarde à la merveilleuse description qu'il fait de Rennes-le-Château, quand on arrive à Rennes-le-Château, n'est-ce pas, les constructions, le château avec un mûrier qui, si vous le touchez, vous fait une main de stigmatisé, n'est-ce pas, c'est vrai que moi, j'ai le souvenir, quand je suis venu pour la première fois avec des amis ici même, on avait comme une sorte de petit décalage, puisqu'on venait avec la description de Gérard. Et en fait, Gérard n'avait jamais mis les pieds à Rennes-le-Château. Donc, avait une idée, avait eu des photos, de vieilles photos, mais n'avait aucune idée des proportions, de la disposition exacte des lieux, de l'échelle des lieux. Mais il a fait ce livre. Alors, pardon. Ce livre va connaître une genèse compliquée. Parce que se passe-t-il? Comme prévu, il rédige le manuscrit en collaboration avec Pierre Plantard. Et ça va vite. J'ai le témoignage de Pierre Plantard qui me disait admiratif, ah, c'est le meilleur que j'ai connu, c'est Gérard de Sède. On lui donnait le dossier, il s'installait à la table et c'était parti. Il écrivait. Et quand je parle de Gérard de Sède, j'en parle, je dirais, c'est la vérité que je veux rétablir. J'ai connu un certain nombre de gens de cette génération, de cette époque, de profils plus ou moins similaires ou différents, tous avaient cette qualité. C'est pour ça que pour moi, c'est un personnage qui ne m'étonne pas et que ce que j'ai lu de lui me surprend. Et j'essaie de faire comprendre quel est ce personnage. Donc il écrit. Le manuscrit est achevé en juillet 1965, l'été 1965. Et ça va très vite. Au cours du mois de juillet, il y a des démarches aux éditions Juillard. On prépare le projet, les maquettes, le planning et le contrat. Fin 1965, il y a
un courrier qui est envoyé, un courrier formel qui est envoyé à Gérard de Sède. Et le contrat définitif lui est adressé pour signature, je crois, fin janvier 1966. C'est le même contrat que pour les Templiers. Gérard de Sède a 35% des droits d'auteur et Pierre Plantard 65%. Et il est prévu que la signature doit avoir lieu dans les bureaux de la Maison Juillard le 1er mars 1966. Sauf que, au jour J, Gérard de Sède est malade, ne vient pas. Et puis finalement, on fait savoir que lui, il marcherait, mais à condition d'avoir 50% des droits, au minimum. Il aurait souhaité inverser la proportion, d'ailleurs, 65-35, mais 65 pour lui, je pense. Et là, il faut bien dire qu'il y a un échange de courriers, un échange de coups de téléphone, des entretiens, et Gérard de Sède devient fuyant. C'est tout au long de l'année 1966, il y a cette sorte de ces tractations qui n'en sont pas. Sauf que, au cours de l'été, Gérard de Sède décide de venir dans l'Aude, de venir à Rennes-le-Château, pour enfin avoir de près les lieux de son livre. Alors, que se passe-t-il? Eh bien, il arrive, il s'installe à l'hôtel de la Tour, chez M. Corbu, fait connaissance. Il va à Carcassonne en bibliothèque, il rencontre M. Descadeillas, dit Desca. Et là, René Descadeillas comprend très vite que Gérard de Sède est en train d'écrire un livre sur Rennes-le-Château, l'affaire de l'abbé Saunière. Et que derrière Gérard de Sède, il y a Pierre Plantard, que pour des raisons que j'expliquerai un jour, René Descadeillas connaît déjà. Puisque René Descadeillas et Pierre Plantard se connaissaient depuis plusieurs années. Et là, René Descadeillas, qui avait le sang chaud, devient furieux, parce qu'il considérait qu'il avait fait un livre, c'était sa thèse d'histoire sur Rennes, et que il pouvait y avoir une suite beaucoup plus accessible et que cette suite, il l'a fait avec Pierre Plantard. Et là, René Descadeillas voit rouge et se fâche avec Gérard de Sède et du coup avec Pierre Plantard. Et entre Carcassonne et Rennes-le-Château, Gérard de Sède passe quelques jours, même quelques semaines, et bien là, il va rencontrer tout le monde. Il va rencontrer M. Chézard. Il va rencontrer l'abbé Mazière, il va faire la connaissance d'un certain nombre de personnes. Il va agrandir son réseau. Et là, il faut bien dire que on va lui communiquer un certain nombre de papiers. La raison exacte, ce qui se passe, en deux mots. À l'époque, je vous livre ça, c'est ma vision des choses. Hein. On peut considérer qu'il y a deux courants, deux groupes ou deux fractions qui s'activent autour de cela. D'un côté, Pierre Plantard et de l'autre, une autre fraction. Antagoniste. Et cette autre fraction ne veut surtout pas laisser le moindre espace à Pierre Plantard. Et Gérard de Sède, de près ou de loin, va se retrouver absorbé par cette autre fraction. Comme en plus, pour ces raisons de droit d'auteur, et peut-être il y a le meurtre du père, si on veut faire de la psychanalyse, il finit par s'éloigner de Pierre Plantard. Philippe de Cherizet a un rôle trouble aussi, qui n'est pas toujours bien clair. Mais Gérard de Sède va se retrouver sous l'influence de cette autre faction. C'est ainsi que je résume la situation. Parce que c'est bel et bien une sorte de combat. Alors certes, dans la coulisse, certes, de façon, on va dire, très elliptique, mais enfin, c'est une guerre. C'est une guerre avec tout ce qu'il peut y avoir. Comme l'a dit Clausewitz, la guerre est l'ascension vers les extrêmes. Donc, même une guerre froide monte vers les extrêmes. Et
ce qui se passe. Gérard de Sède, qui sait qu'il y a une certaine habitude du renseignement et de la clandestinité, mène une double vie. Et fin 1966, on lui dit, écoutez, si vous ne voulez pas signer l'ordre de Rennes, Christian Bourgeois en personne lui dit, ça paraîtra sous la signature de Philippe de Cherizay. Et là, Gérard de Sède déclare qu'il est d'accord et signe le fameux contrat avec 35% des droits. Et là, il va se passer une chose. Il fait la correction des épreuves. L'ouvrage est composé. Alors, ça n'aurait pas dû se passer comme ça. Moi, j'ai plusieurs versions. Mais il y a un échange de courriers. Il y a un dossier autour de tout ça. Donc, j'avais pris des notes sur ce dossier. Malheureusement, ce dossier, je ne peux plus le produire. Il appartenait à Pierre Plantard. Il a fait l'objet. Ce sont des pièces qui ont disparu lors d'un cambriolage. Donc, le dossier est quelque part. Même si les années ont passé, je rappelle qu'à l'époque, plainte a été déposée pour vol et recel de documents volés. Et il y a d'autres papiers qui ont disparu avec. Donc je le fais avec les notes que j'avais et mes souvenirs, donc, qu'ils valent ce qu'ils valent, tel qu'on m'a raconté l'histoire. Et donc, Gérard de Sède corrige les épreuves. Et ça se passe avec le secrétariat de Christian Bourgeois. Sauf que Gérard de Sède en profite pour apporter des modifications dans quelques pages du livre. Alors, très exactement, si je ne me trompe pas, c'est autour de la page... Si il faut prendre l'ordre de Rennes, première version, ça va être autour de la page 130, 132, 137, là où apparaît l'histoire des documents cryptés, où on fait appel aux experts du chiffre et à l'archiviste paléographe qui est M. Deban, je crois. Et donc, le livre sort. Gérard de Sède est un auteur à succès. La même maison qui a sorti Les Templiers sont parmi nous sort sous la même, comment appelle-t-on ça, sous le même maquettage, l'ordre de Rennes. Donc ça se vend. Et puis c'est une belle histoire. Et puis c'est à ce moment-là que certains, notamment Pierre Plantard, va découvrir les modifications dans le livre, qui n'avaient pas été prévues à l'origine. Donc voilà une partie des éléments de la genèse de l'ordre de Rennes et de la question que ça pose. Alors bien sûr, l'ordre de Rennes, je le dis, c'est un roman. Ce n'est pas un livre d'histoire. Ce n'est pas un livre d'enquête, même s'il se présente sous cette forme. Quelque part, c'est un roman. Mais, je suis d'habitude de le dire, il appartiendrait sous une forme moderne, même s'il date maintenant de 60 ans, presque. Il appartient à une forme moderne de roman initiatique. C'est-à-dire qu'il raconte une histoire. Et dans ce livre, tout a son importance, y compris le cahier photo, et y compris la jaquette de couverture qui représente le diable du bénitier de l'église de Rennes-le-Château. Et je parle de la première édition, voir la manière dont la photo a été prise et dont tout cela a été fait. Alors, je l'ai dit, L'ordre de Rennes est un roman, et ça, ce n'est pas Gérard de Sède qui a amené les chercheurs de trésors ici, avec l'histoire des fouilles interdites. Ils étaient là avant. Alors qu'il ait créé, qu'il ait mis... qu'il ait donné un lustre national, puis européen, puis international à Rennes-le-Château, c'est certain. Mais quelque part, à travers l'ordre de Rennes, qui est une histoire de trésor, là, on raconte une histoire de trésor, mais quelque part, le livre donne une toute autre orientation à l'histoire, de façon très subtile. Et d'ailleurs, je rappelle une chose. Vous dites, historiquement, c'est faux. Allez, je résume. Qu'est-ce qu'on nous dit dans le livre ? En 1888 ou 1891, allez, 1888, j'insiste sur cette date pour X raisons, l'abbé Saunière fait des réparations dans l'église, il ouvre quelque chose, il s'occupe d'une tombe, il va trouver quelque chose, des médailles, mais en même temps, on fait allusion à des manuscrits cryptés.
qu'il va déchiffrer à l'aide d'une tombe qu'il faut trouver, et ça va le mener au trésor. Ben, c'est très exactement la légende au sens véhicule du mythe fondamental, c'est la légende rosicrucienne fondamentale. Et il y a beaucoup de choses dans ce livre qui relèvent de la même lecture. Alors évidemment, les détails historiques, on peut faire la liste, certains d'ailleurs l'ont fait, des détails historiques erronés, mais le problème n'est pas là. Et je passe sur le contexte, les documents polygraphiés de la Bibliothèque nationale. N'oublions pas que la brochure qui est signée Madeleine Blancassal, hein, un trésor mérovingien à Rennes-le-Château, l'énigme du Razès Visigoth, c'est très exactement l'histoire mythique de Rennes-le-Château. Et Gérard de Sède va s'en inspirer. Il y aura même des phrases à l'identique prises dans cette brochure. Quand il dit, par exemple, pour lui, il parle de la Bessonnière, Magdala était deux fois tour d'ivoire. C'est recopié et vérifié très exactement de cette brochure. Cette brochure est sortie en 1965. Gérard de Sède avait un texte similaire entre les mains. Et aussi, on l'a sorti en 1965, je pense, parce que le livre de Gérard de Sède ne sortait pas et qu'il y avait urgence à sortir quelque chose dans le cadre d'un plan de l'époque. Donc, voilà quelques éléments de la genèse de l'ordre de Rennes. Alors maintenant, me direz-vous, Gérard de Sède en arrive là. Gérard de Sède et l'occulte. On va dire Gérard de Sède et l'ésotérisme. Alors moi, je dis Gérard de Sède et l'occulte, parce que Robert Amadou, que j'ai bien connu, insistait toujours pour parler de l'occulte. Le professeur voulait toujours parler, il disait que ce n'était pas un gros mot, et qu'on employait ésotérisme, n'est-ce pas, comme ceux qui parlent d'israélites pour éviter de parler des juifs. Donc, eh bien, Gérard de Sède et l'occulte, c'est une question. Malheureusement, je n'ai jamais pu m'en entretenir avec Gérard de Sède. J'ai oublié de lui poser la question. On a parlé de beaucoup de choses, de politique aussi, de son cheminement politique. Pendant longtemps, j'ai posé une chose. Je l'ai rappelé tout à l'heure. Il y avait le surréalisme. Et on sait que dans le surréalisme, deuxième manière, notamment autour de Breton, l'occulte est omniprésent. Sauf que j'ai vérifié. J'ai pris mes renseignements auprès de quelques spécialistes de la question. Et Gérard de Sède, en fait, disparaît du milieu surréaliste pratiquement dès la fin de la guerre. Alors, pourquoi la fin de la guerre? Parce qu'après la guerre, André Breton est de retour de New York et il crée de grandes réunions à Paris, dans la salle de la Société de géographie. C'est René Allot qui est chargé d'enseigner aux membres du groupe surréaliste l'alchimie, l'occulte, l'astrologie, la cabale, tous les mouvements qui tournent autour. Et on m'a dit qu'à cette époque, Gérard de Sède ne fréquentait plus ces milieux. Et quand on voit la main à plume se veut le gardien, la gardienne de la stricte orthodoxie du surréalisme, André Breton absent. Mais c'est le surréalisme façon premier et second manifeste, c'est-à-dire très marxisant. Alors, je me suis posé la question, est-ce que Gérard de Sède a eu un rapport avec l'occulte ou a-t-il simplement joué le rôle de Reviter, rôle qu'il tenait très bien? Et j'ai quand même certains témoignages qui me font dire, et même certaines remarques de Gérard, qui me font dire qu'il s'est quand même intéressé de très près à la question, même s'il s'en défendait. D'ailleurs, il avait une compagne à l'époque, quand je l'ai connu, il avait une compagne qu'il appelait mon gros nounours. Elle disait en fait, Gérard, il veut croire au Père Noël tout en sachant que le Père Noël n'existe pas. Et il y a quand même certains détails qui m'ont interpellé à l'époque. Alors, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais je vais vous simplement vous livrer un élément que tout le monde peut vérifier. Vous prenez
les Templiers sont parmi nous. Et vous regardez la bibliographie. La biblio est très longue. Elle est divisée en chapitres, hein, histoire de Gisors, les Templiers, l'histoire des Templiers, et il y a une rubrique ésotérisme. Alors, elle est réduite, très réduite par rapport au reste. Hein. Il doit y avoir une dizaine de titres. Et d'ailleurs, en tête, Gérard de Sède précise que c'est une matière où il y a des textes, mais il faut être très prudent et il faut faire preuve de beaucoup de discernement dans ses lectures. Seulement, dans ces 10 titres, il y en a 3 qui interpellent, qui, moi, m'interpellent. Il y a le mystère des cathédrales de Fulcanelli. Et il en parle dans le corps du livre. Et j'ai su, pour m'en entretenir avec Gérard de Sède, qu'il lisait et relisait les deux livres de Fulcanelli. Et d'ailleurs, il connaissait très bien Eugène Cancelier. Il allait à Savigny. Et j'ai le témoignage d'Eugène Cancelier. Eugène Cancelier et Madame Cancelier m'ont raconté comment il venait. Il amenait ses papiers pour poser des questions à Eugène Cancelier. Donc, son intérêt pour la question ne passe pas par les conférences du surréalisme d'André Breton, mais apparemment par un tout autre cheminement. Plus original, personnel ou moins personnel. Alors, Mystère des cathédrales, premier titre. Il y a un deuxième titre, dans l'ordre alphabétique, c'est le premier. Raymond Abellio, La Bible, document chiffré, paru en 1947. Il met entre parenthèses, ouvrage d'une importance capitale. Bon. Et toujours dans l'ordre alphabétique, il faut aller plus bas. Là, à l'autre bout de la liste, Pierre Piob, clé universelle des sciences secrètes. Et là, il a ajouté entre parenthèses, ouvrage d'une importance fondamentale dans le domaine des sciences occultes. Or, pour souligner ces deux livres, il faut fatalement avoir connaissance d'une démarche bien particulière et bien précise. Et ça, il n'a pas pu l'apprendre tout seul. Et là, on en revient peut-être aux milieux qui ont généré les Templiers sont parmi nous et l'Ordre de Rennes. Et j'ajouterai encore un mot pour... je ne veux pas réhabiliter le personnage. Il a ses défauts. En 1978, pour X raisons, on a déballé. Quand je dis on, ce n'est pas tout à fait moi, même si j'étais déjà présent, là j'entrais en scène. On a déballé l'histoire des droits d'auteur, qu'en fait, il n'a pas écrit. En fait, nous tous, moi je me souviens, quand je lisais Gérard de Sède, j'imaginais ce personnage qui partait en enquête, Bon, il a tout fait dans son salon, il est co-auteur, on lui a donné un dossier. Et ensuite, on a déballé l'histoire des fameux manuscrits cryptés, en disant qu'il était finalement victime d'une farce, qu'il a publié par erreur des documents qui résultaient d'une farce montée par... Philippe de Cherizet, Francis Blanche, là. C'était un coup. Pas un coup mortel, mais enfin un coup qu'il mettait à bas. Et je citerai un personnage que j'ai bien connu, avec lequel j'étais en rapport, d'ailleurs très amical, qui avait collaboré avec Gérard de Sède, mais qui, ça s'était terminé par une haine incroyable, et qui était ravi de pouvoir dire partout que le pauvre Gérard de Sède n'était pas l'auteur de tout ça, qu'il avait été... Et Pierre Plantard m'avait dit, Monsieur de Sède, il faut qu'il se calme un peu. Nous l'avons monté à un certain niveau, mais nous pouvons tout aussi bien retirer l'échelle. Que ça lui serve de leçon. Les milieux sont parfois un peu rudes. Mais je précise ces points. Après, si vous voulez, si je peux, je répondrai à quelques questions. C'est que je garde un attachement envers Gérard. Pourquoi ? Les Templiers sont parmi nous, je le relis. C'est, comme l'Ordre de Rennes, une sorte de manuel initiatique. C'est très curieux, de façon moderne. J'appelle ça un manuel initiatique. On pourrait dire d'une façon subtile. On va dire qu'il n'y a jamais eu l'ordre du temple à Gisors, peut-être ou peut-être pas, mais quelque part, c'est un manuel de... Allez, appelons ça d'initiation templière, même si le mot est mal choisi. Et là, dans l'ordre de Rennes,
on a également la même chose pour un autre niveau parallèle. Gérard de Sède, et c'est tout lui, lorsqu'il parlait de Rennes-le-Château, il s'était attaché à la région. Et il a continué son action militante. Alors, on peut dire beaucoup de choses. Il a été opportuniste en la libération de Paris. C'est lui qui prend d'assaut la mairie du 14e. Pas tout seul, mais enfin, c'est lui qui va prendre la mairie du 14e. Il a 23 ans. Il fallait quand même le faire. Bon. Mais il sera toujours un militant. Alors, on aime ou on n'aime pas, on est d'accord ou on n'est pas d'accord. Mais il a peut-être été opportuniste dans sa vie, mais il n'a jamais été opportuniste en politique. Il est resté le militant qu'il était. C'est quelqu'un qui avait été formé à l'analyse marxiste par certains et qui croyait à un fait fondamental, c'est que la société est divisée en classes et qu'il y a des antagonismes de classe. Et tout reposait là-dessus. Jusqu'à la fin de sa vie, il était fidèle à cette analyse que, selon lui, les faits ne faisaient que confirmer. Il est parti, il était curieux de voir ce qui se passait en Amérique du Sud, dans le monde entier. Alors, s'il écrivait ses romans d'investigation dans son salon, il n'hésitait pas à prendre l'avion et aller parfois à la rencontre de certains mouvements politiques. Je tiens à le préciser. J'essaie de donner du personnage une image une image aussi fidèle que possible. Ensuite, l'affaire de Rennes-le-Château, Lord de Rennes. J'ai dit que lorsqu'il écrit Lord de Rennes, il n'a jamais mis les pieds à Rennes-le-Château. Mais sauf qu'après, j'ai eu l'impression qu'il développait une sorte d'attachement, peut-être de retour aux racines, envers l'Occitanie. D'ailleurs, il a écrit un ouvrage, L'Occitanie, 700 années de lutte, où il retraçait ce qu'était l'Occitanie par rapport à Paris. Il y avait une sorte d'identification à la région dans sa visée, dans sa vision, qui lui était personnelle et qu'il faisait sienne. Il avait envie de s'immerger dans cette région. Il avait même acheté d'ailleurs une maison dans la région. Il a écrit ce livre et il y a ce côté retour aux racines, retour aux sources que je tenais à préciser et qui quelque part est sincère chez le personnage. Et d'ailleurs, il a été enterré dans sa famille, le baron comme on l'appelait, en 2003, donc il est décédé. Donc le baron a été enterré, il y avait le drapeau rouge sur son cercueil et tout le monde chantait l'international selon ses dernières volontés. C'était tout Gérard de Sède. Et Jean Robin a commis un livre, La colline envoûtée. Gérard de Sède s'insurgeait. Il disait, mais c'est mauvais, ce titre est mauvais. Ce n'est pas la colline envoûtée ici, c'est la colline envoûtante. Je tiens à le préciser, j'aimerais que vous gardiez mémoire de cette formule. Qu'on cesse de parler de la colline envoûtée, mais qu'on parle de la colline envoûtante. Et Gérard de Sède, je l'ai dit, était suffisamment instruit et cultivé et fin pour connaître le sens des mots. Et enfin, je rappelle ce que m'a dit Pierre Plantard, plutôt il a dit à des amis, j'étais ici, j'avais des amis et il y avait Pierre Plantard. Et les amis viennent à parler de ce que Pierre Plantard avait écrit. Et Pierre Plantard, de façon ironique, avec son sourire, dit « Mais moi, je n'écris pas. Ce sont les autres qui écrivent pour moi. » Et l'air devient sérieux. Et il dit, je le rappelle, « Le meilleur que j'ai connu, c'est Gérard de Sède. » Il disait ça en 1989. Hein. « Le meilleur que j'ai connu, c'est Gérard de Sède. » On lui donnait le dossier. Il s'asseyait à sa table et c'était parti. Ça, il faut toujours l'avoir en tête, il faut reconnaître le talent. Et personnellement, je dirais une chose, le livre de Gérard de Sède, je l'ai lu il y a fort longtemps. Alors je me suis amusé parce que je suis parfois un peu bibliophile, j'ai toutes les éditions, puis je suis un peu maniaque. Mais régulièrement, je le dis souvent, il est à portée de main. Et le dimanche, quand je suis fatigué, surmené, que je veux me vider la tête, que j'ai envie de changer d'air,
je reprends ce livre que je connais par cœur. J'en connais les mécanismes et à chaque fois je le relis avec le même intérêt. Je découvre des choses et je me dis, mais bien sûr, mais tout est dedans. Tous les ressorts y sont. Voilà, en conclusion, l'évocation que nous pouvions faire de Gérard de Sède. Alors, je l'ai dit, l'histoire des Templiers et l'histoire de l'Ordre de Rennes reste à écrire. C'est peut-être un peu tôt pour le faire. Bon, s'il y a quelques questions, je peux essayer d'y répondre. Alors, j'ai dit que j'étais bibliophile. J'en profite pour faire un peu de publicité pour la librairie La Fontaine d'Arethuse qui est présente parmi nous. Si vous êtes bibliophile, amateur de livres anciens, de bonnes occasions, il y a quelques catalogues, justement, et qui touchent les sujets que nous abordons. Je vous remercie. N'hésitez pas à me faire signe, je vous ferai passer le micro. Oui, bonjour. Est-ce que vous pensez que le livre Arcane 17 de André Breton, puisqu'on parlait de surréalisme, a à voir de près ou de loin avec l'affaire de Rennes-le-Château ? Alors, de l'affaire de Rennes-le-Château, de loin probablement. Et là, on aborde le côté breton que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire le côté breton presque deuxième manière, même si la perspective occulte n'était pas absente au départ, mais quelqu'un comme René Guénon aurait dit de façon purement psychique. Effectivement, dans Arcane 17, il y a une vision. Oui. Mais j'en profite pour rappeler que alors là, je donne mon avis personnel et je peux choquer. Je me suis intéressé au surréalisme. J'ai connu certains témoins de cette époque et ça ne m'a jamais séduit. Car j'ai toujours une sorte de répulsion pour deux raisons. D'une part, il y a le côté que j'exposais tout à l'heure, le côté quasi-sectaire d'André Breton et de ses procès. Et je mets en parallèle André Breton et Jean Cocteau. Bon, j'ai fait partie du comité Jean Cocteau, des amis de Jean Cocteau. Pourquoi ? Parce que j'ai toujours adoré Jean Cocteau, quels que soient ses défauts, quels que soient ce qu'on peut lui reprocher. Mais chez Cocteau, il y a quand même un personnage, c'est un catalyseur. N'importe qui allait le voir pour lui demander une préface, il lui faisait une préface. Chez Breton, il y avait j'en parlais avec le secrétaire général des AJC, des amis de Jean Cocteau, qui me disait « Mais vous avez raison. » Ça pouvait, qui était un homme qui a connu, proche de Pierre Berger, qui a connu le tout Paris littéraire, il me disait mais c'était terrible, les procès. Et l'ambiance qu'il pouvait régner à un certain moment. Et c'est toujours ça qui m'a refroidi. Je citerai une anecdote. Ça se passe juste après la guerre. J'ai un ami qui n'est plus de ce monde, il s'appelait Henri Cachin. T'es rédacteur en chef de Télé 7 jours, rédacteur en chef adjoint. T'es de la famille de Marcel Cachin, d'ailleurs, et puis du peintre Paul Signac. C'était le frère de Françoise Cachin, que certains connaissent peut-être. Elle a été directrice du musée d'Orsay et directrice des musées de France. Et Henri Cachin, si je me souviens bien, était au lycée Henri IV, passionné par le surréalisme. Il était enfin proche de Cocteau. C'était littéralement celui qui a accompagné Cocteau partout au Quartier Latin, sorte de poisson pilote. Et il m'a décrit la scène un jour, ça se passe rue des Écoles. Il est avec Breton, il descend de la rue des Écoles et au loin, il aperçoit Jean Cocteau qui remonte depuis Saint-Michel, depuis le boulevard. Et Henri Cachin, le jeune Henri Cachin, se dit, là, je vais assister à la rencontre historique. Et j'avance, il s'avance. Jean Cocteau salue André Breton et Henri Cachin, qu'il ne connaissait pas, le salue avec un grand sourire. André Breton passe tout droit. Et Henri dit, mais maître, vous avez vu ? Breton lui dit, vu quoi ? Ben, vous avez pas vu ? Mais vu quoi ? Ben, vous avez vu qui on vient de croiser ? Ben, qui on a croisé ? Ben, c'est Jean Cocteau. Et alors Breton s'arrête et se tourne vers Henri et lui dit, jeune homme,
vous apprendrez, vous saurez dorénavant que je n'adresse jamais la parole à un inverti. On pense ce qu'on veut. Bon, je préfère Jean Cocteau, même si je ne partage pas certaines options. D'un point de vue, comment dire, artistique et littéraire, c'est quand même une autre dynamique. Et puis, il y a ce côté que je n'hésite pas à qualifier de sinistre tel qu'on me l'a décrit dans L'Occulte. C'est-à-dire que moi, on m'a raconté certaines choses chez Breton, quand il basculait dans les tarots, quand il basculait dans une sorte de vision d'hypnose, je dirais. Le fait aussi, j'avais un ami d'une autre génération qui débarque à Paris après la guerre, mais je lui dis, mais c'est un ami, on était à Atlantis ensemble à l'époque, et on habitait tous deux à Bourg-la-Reine, c'est pour ça. Je lui dis, mais pourquoi vous n'êtes pas resté? Mais il me dit, mais je commençais à avoir peur. Ce climat qui régnait, et autour de moi, tout le monde se suicidait. Même avant, Vacher s'était suicidé. Je dis, mais j'avais peur du climat qui régnait. Moi, je commençais à avoir des hallucinations. Dans ma vie, j'avais des espèces de croisements d'intersignes qui m'inquiétaient, que je devenais fou là-dedans. Et j'avais peur. Bon, ce que je dis ne plaira peut-être pas à tout le monde, mais... Je ferai part à Jean Robin de cette anecdote, s'il en a connaissance, de la colline envoûtée et envoûtante. Il a, de toute façon, Gérard de Sède en très haute estime, hein, très affectueux envers lui. Et je te pose une question, est-ce que tu pourrais nous parler, enfin, deux mots sur la fameuse race fabuleuse? Alors, deux mots sur la race fabuleuse, puisque nous en sommes aux coulisses, là, de... Alors, les deux livres, Les Templiers sont parmi nous et L'Or de Rennes, ont bien été conçus. Allez, appelons ça dans, on dirait maintenant, si on est publiciste, journaliste, dans une officine que je viens d'évoquer. Ça n'a rien de péjoratif, ou ça peut l'être, c'est pas grave. Par contre, ce n'est pas le cas de La Race Fabuleuse. À ce moment-là, je dirais que Gérard de Sède a pris, a tué le père. D'ailleurs, à tel point qu'il est parti s'installer à Liège, quelque temps. Par contre, dans La Race Fabuleuse, il y a des éléments qui viennent du fameux dossier dont j'ai parlé. Je le sais parce que ce dossier, je l'ai eu. Je l'ai. D'ailleurs, il y a des choses qui concernent la crypte de Notre-Dame de Paris, tout ça vient de là. Et ça venait du grand-père Charles Plantard. Mais, pour être clair, La Race Fabuleuse s'est conçue après coup. Et quand Gérard de Sède... est sous l'emprise d'une autre influence, qui serait plutôt opposée à Pierre Plantard. Oui, vous avez parlé de L'Or de Rennes, mais le dernier livre de Gérard de Sède, qu'en pensez-vous? Il parle beaucoup du milieu occultiste. Je dis, le dernier livre de Gérard de Sède, en 1988, hypothèse, imposture, je crois, tout ça. Il parle beaucoup du milieu occultiste. Milieu occultiste. Mais il s'est beaucoup documenté sur la question. Je disais que c'est un homme cultivé. D'ailleurs, pour la petite histoire, il y a un grand schéma dans son livre, là où il représente des filiations. Ce dessin, moi, je l'ai vu en grand. Il était dans l'appartement de Philippe de Cherizet, rue de Liège, à Paris. Voilà d'où il vient. Ce livre a été fait en grande partie avec des éléments de Philippe de Cherizet. Il parle beaucoup, il s'est passionné pour ces milieux, on va dire ses à côté aussi, lorsqu'il parle de Nondorf, de l'affaire Louis XVII. Et quand on suit l'hypothèse de Gérard de Sède, c'est de dire qu'en fait, il y a une sorte d'habillage, de clé, qu'à travers une... prétendue descendance mérovingienne ont fait allusion à l'affaire Louis XVII et que c'est codé pour certaines personnes qui traitent de cette histoire avec la question d'échange de documents dans le contexte d'une certaine époque. Oui, il s'y est beaucoup intéressé. D'ailleurs, il y a d'autres livres sur le sujet qu'il a écrits, purement documentaires d'ailleurs,
Il s'est intéressé de très près à la question. Alors, une anecdote d'ailleurs, il avait été invité dans certaines loges maçonniques pour faire des conférences et il avait toujours refusé la moindre affiliation maçonnique. Alors, on peut y voir une double explication. Est-ce que c'était ses racines trotskistes qui lui faisaient rejeter la franc-maçonnerie ? Ou il y a aussi une chose, c'est qu'il avait son caractère. C'était un esprit, même s'il avait des convictions, les convictions que j'exposais, il était tout sauf un féodé. Il avait des convictions, mais il n'avait pas l'esprit de chapelle. C'était un homme qui avait sa vision, son caractère, et donc il ne se laissait pas embrigader comme ça. Oui, c'est une vision des choses. Il s'attachait à certains dessous de l'histoire occulte et éventuellement de la récupération qui en était faite ou des intentions qu'il y avait derrière. Il n'est pas le seul à l'avoir fait. C'est-à-dire que derrière certains problèmes de prophétie au XIXe siècle et autres, on peut soupçonner certaines manipulations. Oui, parce qu'il va très loin. Hein. Oui, bien sûr. À mon avis, il va beaucoup plus loin. Ce sont des réflexions qui lui sont propres. Ce sont des hypothèses. Il faut bien distinguer les deux. S'il n'y a pas d'autres questions, merci encore beaucoup pour cette conférence. Fort intéressant.